Trois hommes victimes de leur passion. Trois hommes, Didier Pironi, Jean-Claude Guénard et Bernard Giroux, ont trouvé la mort dimanche 23 août 1987, après une heure de course dans le Grand Prix offshore d'Angleterre, au large de l'île de Wight. L'offshore était leur nouvelle passion. Un sport de vitesse né aux États-Unis, un sport qu'ils souhaitaient relancer et promouvoir en France. Ils venaient de fêter leur première victoire dans l'une de ces courses du championnat d'Europe qu'ils s'étaient promis un jour de remporter. Un rêve brisé par une vague à 170 km/h, à l'heure où dans le monde de l'offshore, on commençait à dire que leur courage, leur savoir-faire et leur expérience allaient sans doute faire évoluer ce sport vers son plus haut niveau. C'est en Formule 1 que Didier Pironi va connaître succès et popularité, après 6 ans passés sur les circuits. En 1982, avec Ferrari, il est en tête du championnat du monde. Quand je parlais de motivation, je parlais de votre deuxième place actuelle au championnat du monde, au classement provisoire du championnat du monde. Mais personnellement, depuis le début de la saison, même depuis l'année dernière, chez Ferrari, je pensais que 81 était déjà une année de préparation pour une bonne saison 82. Donc quand je dis bonne saison, on pense au championnat du monde. Chez Ferrari, c'est la moindre des choses. Et je suis assez optimiste pour cette saison, pour la fin de saison surtout, parce que la voiture est fiable, ce qui est déjà une chose importante pour le championnat. Elle commence à être performante maintenant et je sais que les modifications qui arrivent sont aussi importantes au niveau des performances. Paul Ricard, vous êtes en tête du championnat du monde et on en a assisté au niveau du public, Didier Pironi, un véritable raz-de-marée autour de vous. Vous êtes vraiment là l'homme public avec un grand H, avec un grand P. Est-ce que ça vous surprend, ça vous gêne, vous aimez, vous n'aimez pas? Écoutez, je crois que si quelqu'un dans ma position vous disait qu'il n'aimait pas cette position, je crois que ce ne serait pas très sincère. Je suis ravi d'être où je suis ravi de voir que les gens m'accorde une certaine attention, une certaine importance. C'est toujours agréable, c'est humain. Ceci dit, au niveau de mon métier, ça ne change pas grand-chose parce que j'essaie de me concentrer sur mes problèmes techniques, mes problèmes de pilote et de metteur au point. Et jusqu'à maintenant, je crois que ça n'a pas du tout influé sur ma profession. Donc c'est le principal, le reste, c'est pas très grave. La carrière de Didier Pironi débute en 1973. Vainqueur du volant Elf face aux 500 candidats qui participent à ce concours, il a tout juste 21 ans.
Cette victoire lui permettra d'obtenir un volant en Formule Renault. Et en 1975, il remporte le Grand Prix de Monaco. Par la suite, en 1978, il remporte les 24 heures du Mans aux côtés de Jean-Pierre Jossot sur une Renault Alpine. Son ascension en Formule 1, Didier Pironi la connaîtra en 1978 avec l'écurie Ken Tyrrell au Grand Prix d'Argentine. Durant deux années, il va courir sous les couleurs Tyrrell Corsworth. En 1980, il entre chez Ligier et obtient sa première victoire au Grand Prix de Belgique. 1981 et 1982, Didier Pironi arbore les couleurs d'une des écuries les plus prestigieuses en F1, Ferrari. Dans cette écurie, il connaîtra l'apogée de sa carrière. En 1982, il termine vice-champion du monde à quelques points de Keke Rosberg. Didier Pironi a connu 72 engagements en Grand Prix F1, 3 victoires, 4 pole positions et 5 records du tour. Come sono arrivato a Pironi? Je suis arrivé à Pironi lors du dernier Grand Prix de Sao Paulo qui se courait sur le circuit d'Interlagos en 1980. Il courait alors pour Ligier. Et quand j'ai vu ce jeune déchaîné dans une poursuite qui a duré plusieurs tours sur un circuit très compliqué, quand j'ai vu comment il affrontait les virages en profondeur et avec quelle précision, con quale precisione ed ardimento, quella fu la ragione che mi indusse. J'ai décidé à la fin de la course de téléphoner à mon directeur sportif, l'ami Marco Piccinini, et je lui ai dit je veux ce pilote. Piccinini e dirgli io voglio quel pilota. Alors, fu una specie di coup de foudre. Lei lo chiami coup de foudre, io lo chiamo sensazione. Vous l'appelez coup de foudre, moi je l'appelle sensation précise, agréable et même sage d'engager un pilote qui avait un grand avenir devant lui. Plus ça va, en plus, plus le sport se professionnalise, on peut dire, et plus il se professionnalise, plus on a de travail. C'est-à-dire que pour... 3 jours de Grand Prix comme on fait ici, on a en moyenne entre 5 et 10 jours d'essai. Ça veut dire 7-8 Grand Prix dans les mains pour un Grand Prix, 7-8 Grand Prix d'entraînement pour un Grand Prix. Donc c'est quelque chose d'énorme. C'était inimaginable pardon, il y a seulement 3 ou 4 ans. Maintenant on fait des essais à outrance parce que c'est le professionnalisme et la compétition qui veut ça, qui le demande. Et pour être devant les autres, il faut faire ça. Donc tout le monde le fait. Et effectivement, c'est un côté du métier qui est la face un petit peu, qui est la face immergée de l'iceberg, si vous voulez. Mais effectivement, on se demande à quoi ça sert parce que tout le monde le fait. De toute façon, et plus on suivra dans l'escalade, plus ça ira dans ce sens-là et le public ne le voit pas, ça. Donc c'est pas très intéressant au niveau du public, c'est sûr. Mais pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça donne en plus aux pilotes la possibilité de s'exprimer sur d'autres problèmes que ceux du pilotage uniquement. Et je trouve que c'est un côté intéressant de notre métier. Ça fait de notre métier quelque chose de plus complet. Cette passion pour la vitesse, elle devient d'où, Didier? D'abord, j'ai pas vraiment la passion de la vitesse. J'ai la passion d'aller au bout des choses, d'aller d'abord au bout de moi-même et puis d'aller au bout de ce que j'utilise en général. Je veux dire que ce soit une voiture, un bateau, un avion ou une boule de pétanque ou un caillou, j'essaye toujours de le lancer le plus loin possible ou de faire le plus de ricochets possible. C'est pas une passion de la vitesse ni une griserie de la vitesse, parce que la vitesse intrinsèquement, je trouve pas ça très, très grisant, très intéressant. C'est la volonté d'aller à la limite des choses et à la limite de soi-même. Un champion, c'est avant tout quelqu'un qui a eu une énorme volonté pour aller au bout de lui-même. Parce qu'on n'est pas champion sans aller au bout de soi-même, vu que je crois que les êtres ne sont pas suffisamment différents pour qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus fort que les autres sans aller au bout de lui-même. Donc,
pour ça avoir une énorme volonté motivée par une énorme passion. Le reste, évidemment, c'est un ensemble de qualités, de dons, qui font qu'en allant au bout de soi-même, on peut aller un peu plus loin que les autres. Le champion du monde est celui qui, à la fin d'une saison de Formule 1, réunit le plus de points. Moi, j'avais en 82 un certain nombre de points, mais le champion du monde a été Keke Rosberg, qui en avait 5 ou 6 de plus que moi. Donc, dans mon esprit, et sur le papier aussi d'ailleurs, je devrais dire sur le papier et dans mon esprit ensuite, j'ai jamais été champion du monde. C'est la seule chose importante. Mon métier, c'est exactement l'antithèse de la violence, c'est exactement le contraire. Je crois que si on est violent, dans le sens physique du terme, d'abord on ne peut pas être un bon pilote. Si on est violent intellectuellement, on ne peut ni être un bon pilote, ni être un bon technicien, ni être un bon mécanicien, ni bon manuel, ni quoi que ce soit. Je crois qu'une des premières qualités, et en tout cas un des points communs à tous les gens qui font ce métier, qui est un métier de précision, qui est un métier de concentration, c'est justement un grand calme et une grande sérénité dans la tête, parce que pour conduire, et pour que ce soit les événements, ou que ce soit une voiture, ou que ce soit n'importe quoi, à grande vitesse et face au danger et à la limite, il faut avoir la faculté de pouvoir affronter, de pouvoir vivre les événements au ralenti, c'est-à-dire être intensément conscient. Et si vous voulez, pour imaginer un petit peu ça, je crois que lorsque on a l'impression d'aller très vite, en tout cas pour aller très vite, il faut avoir l'impression d'être très lent, c'est-à-dire il faut voir chaque centimètre de la piste, chaque centimètre du virage, et c'est à ce moment-là qu'on est le plus efficace. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important et qui est très particulier à la Formule 1, c'est cette sensation, cette omniprésence du risque, donc du danger de la mort qu'il y a et de l'accident qu'il y a toujours autour des paddocks, autour d'un circuit. Je crois que ça crée des liens qui sont entre tous les gens qui vivent la vie de la Formule 1, du championnat du monde, ça crée des liens qui sont certainement un petit peu plus profonds qu'on peut en rencontrer dans beaucoup d'autres sports, même de haut niveau, et surtout beaucoup plus profond que dans le show business, dans le cinéma ou dans la chanson, parce que c'est quand même un point commun qui rapproche beaucoup. L'accident qui m'a fait le plus peur, où j'ai le plus intensément ressenti ce sentiment de peur, c'était au Canada, lors d'une course Formule Atlantique il y a 6 ans, c'était en 76. Et je courais sur un circuit que je découvrais. C'était une course à laquelle Gilles Villeneuve participait d'ailleurs. Et je faisais pour la première fois une course sur ce circuit, donc dans une écurie qui était nouvelle aussi, dans une voiture que je n'avais jamais conduite auparavant. Et je n'avais pas à cette époque-là, j'étais jeune et insouciant, je n'avais pas fait un tour pour voir la sécurité du circuit, pour voir comment était construit et fabriqué le circuit au niveau de la sécurité passive. Il y avait une grande ligne droite, au bout de laquelle on arrivait environ à 250-270 km/h. Et après avoir fait 4-5 tours, j'ai commencé à attaquer un petit peu, parce que j'avais très peu de temps pour faire un temps, c'était pendant les essais. Et le 6e tour, où je commençais à aller vraiment vite, au moment de poser le pied sur le frein, au bout de cette ligne droite, qui se terminait par une épingle à cheveux, donc on passait de 260 à peu près à 60 km/h, et le tout face à un mur,
qui se trouvait vraiment au bord de la piste. Au moment de poser le pied sur le frein, donc, j'ai senti sous mon pied aucune résistance et surtout aucun freinage. La voiture était en panne de frein, il n'y avait absolument plus aucun frein. Et j'ai eu pendant 150 mètres, parce qu'on freinait 150 mètres avant l'entrée du virage et avant le mur, pendant 150 mètres, j'ai eu ce sentiment de peur, mais vraiment d'une manière très intense, comme je crois jamais je pourrais l'avoir plus intense dans ma vie. Parce que j'ai vraiment, pendant 150 mètres, ça a dû durer à peu près une seconde, je me suis vu mourir. Je me suis dit, sans aucun doute possible, là, c'est terminé pour toi, parce que je vais taper le mur à 250 et ça va être la fin. Et je me suis raidi, arc-bouté sur le volant et sur les pédales. C'est un réflexe normal, je crois, prêt à taper le mur. Et je me suis entendu crier dans la voiture. J'ai crié maman, d'ailleurs. Et il y a eu l'impact, il y a eu le choc. Et j'ai ouvert les yeux et j'étais très étonné de me réveiller au milieu d'un tas de pneus, de morceaux de bois, de carton, etc. Et j'ai essayé de m'extirper de la voiture parce que c'est aussi un réflexe. Et j'ai pas pu parce qu'il y avait tellement de pneus au-dessus de ma tête que je pouvais pas sortir de la voiture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mur, que je croyais être un mur, c'était en fait des panneaux publicitaires en bois qui étaient posés devant 7 ou 8 rangées de pneus, donc qui amortissaient les chocs, qui étaient là pour ça, et qui de loin apparaissaient vraiment comme un mur en béton armé. Alors, à partir de ce jour-là, je me suis intéressé sérieusement à la sécurité parce que je me suis aperçu que vraiment, les pneus servaient à quelque chose et que ce jour-là, la personne qui a eu l'idée de mettre ses pneus m'avait sauvé la vie. Voilà ce qui a été pour moi le jour où j'ai ressenti avec le plus d'intensité la peur. C'est difficile pour une mère d'avoir un fils pilote de Formule 1. Oui, c'est très difficile, c'est même dramatique. Je crois qu'on peut comparer pour une mère comme avoir un fils au front pendant la guerre. Durant toute sa carrière, Didier Pironi a beaucoup œuvré pour la sécurité des pilotes de Formule 1. Souvent en désaccord avec la FISA et la FOCA, il se battra pour que l'identité et la liberté des pilotes soient respectées. En 1982, à Kyalami, au Grand Prix d'Afrique du Sud, avec d'autres pilotes, il sera l'un des principaux meneurs d'une grève qui devait secouer très sérieusement le monde de la Formule 1. Didier retourne au circuit et discute avec M. Balestre et M. Eccleston. Et quand on a trouvé une solution et qu'il revient avec la solution, on retourne au circuit faire nos essais. Ce que demandent les pilotes, c'est d'avoir plus de sécurité pour se faire réduire la vitesse en virage, parce que c'est surtout là que le problème se trouve. Je dirais même, ce n'est même que là que le problème se trouve. Tous les circuits aujourd'hui, même le circuit du Ricard, du Castellet, est complètement dépassé par la vitesse des voitures en virage, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Évidemment, je ne pense pas qu'en particulier de travailler sur la puissance des moteurs, ça apporte quoi que ce soit, ce problème-là. Ma réaction est quand même de dire qu'on n'apporte peut-être pas assez d'attention aux demandes des pilotes, c'est certain. Surtout au niveau de la sécurité. Rien n'a été fait, par exemple, sur ce circuit. Depuis 2 ans, nous avons couru. Et je trouve que ça aussi, c'est un peu regrettable. On ne joue pas une pièce de théâtre sans les acteurs. Et les acteurs, c'est les pilotes de Formule 1 qui, quand même, risquent leur vie. Et de ce côté-là, je pense que peut-être on aurait pu faire plus attention et apporter plus de crédit à leurs demandes. Vous n'avez pas surestimé votre rôle, vous, pilote ? Ben, je pense pas. Notre rôle, on n'a pas surestimé ou pas notre rôle. On a pris certaines décisions, certains risques, parce qu'il y a certaines choses auxquelles on tient, en particulier la liberté sur beaucoup de points. Et depuis 3 ans en Formule 1, à chaque fois qu'on a demandé quelque chose, on a eu soit le contraire, soit rien du tout. Il est bien évident que pour participer à une course, il faut être en possession d'une licence et que donc automatiquement, dans les conventions qui ont été établies, les pilotes ont leur licence pour participer au Grand Prix. Après 2 journées de négociations, les pilotes, en accord avec les organisateurs, prendront le départ du Grand Prix d'Afrique du Sud. Pour une fois, ils avaient réussi à marquer des points avant la course sur le tapis vert. Alors qu'il dominait le championnat du monde avec une confortable avance de 9 points, Didier Pironi allait connaître un destin tragique. C'était le 7 août 1982 à Hockenheim, au cours des essais du Grand Prix d'Allemagne.
Un terrible accident survenu à plus de 270 km/h stoppera la vie professionnelle de Didier Pironi en Formule 1 et l'éloignera à jamais du titre de champion du monde. C'était la date du Grand Prix d'Hockenheim, du Grand Prix d'Allemagne. Et j'abordais ce Grand Prix avec un état psychologique un peu particulier, dans la mesure où, pour la première fois de la saison et pour la première fois de ma carrière, j'étais en tête du championnat du monde avec une avance confortable et donc une grande sérénité, parce qu'en plus de ça, je savais que ma voiture était la meilleure du lot et qu'elle me permettrait, surtout en fonction des circuits qu'il restait à faire, de conserver, voire d'augmenter cette avance jusqu'à la fin de l'année. J'étais donc particulièrement confiant et particulièrement serein. Et la première séance d'essai, qui était le 6 août, le vendredi, a confirmé cet état d'esprit, à savoir que la voiture fonctionnait à la perfection, qu'elle était la meilleure de toute façon, et j'avais effectué la pole position à la première séance d'essai officielle. Le samedi, pour la deuxième séance d'essai officiel, où normalement on a la possibilité d'améliorer, de changer nos places sur la grille, il pleuvait énormément sur le circuit. Donc j'avais fait un très bon temps au bout de trois tours. Et le quatrième tour sur cette piste, nous étions que quelques pilotes à tourner, quatre ou cinq maximum. Et le quatrième tour, pendant lequel j'avais décidé de m'arrêter au stand parce que mon essai était terminé, je me suis retrouvé derrière une autre voiture qui était celle d'Eric Daly. Et pour ne pas le gêner, parce que lui était dans un tour d'essai, dans un tour rapide, je suis resté derrière lui. Et dans la dernière ligne droite du circuit, donc la dernière ligne droite que je devais parcourir pour cet essai, Eric Daly, qui était sur la trajectoire, donc sur la partie gauche de la piste, et à cet endroit-là, approximativement à 300, 310, 320 km/h, s'est brutalement déporté sur la droite. Moi, j'étais, disons, 2 mètres derrière lui. Et à ce moment-là, j'ai eu le temps de penser un très court instant, une fraction de seconde, qu'il me laissait passer, qu'il m'avait vu et qu'il me laissait passer pour ne pas me gêner. Et la fraction de seconde suivante, j'ai eu le temps d'apercevoir l'aileron arrière de la Renault d'Alain Prost. Et j'ai pas eu le temps de réagir pour éviter sa voiture, j'ai juste esquissé un coup de volant sur la droite, mais pas suffisamment pour l'éviter, et mon pneu avant gauche a heurté sa roue arrière droite, et avec l'effet d'engrenage qu'ont les roues les unes sur les autres, parce qu'elles ne sont pas protégées sur les Formule 1, ma voiture s'est envolée, et comme c'était en 82 et à l'époque des jupes et de l'effet de sol, les Formule 1 à cette époque-là, quand elles avaient une certaine incidence dans l'air, se comportaient exactement comme un planeur. C'est-à-dire qu'elles sont portées par l'air et qu'avec la vitesse, elles montent. Et j'ai très présent à l'esprit ce que j'ai ressenti à ce moment-là, à savoir que j'étais dans un planeur incontrôlable. Et la voiture est montée très haut. Je me souviens avoir vu la cime des sapins d'Hockenheim, de la forêt d'Hockenheim, qui sont très hauts à cet endroit-là. J'ai senti ma voiture décrocher dans l'air, c'est-à-dire piquer du nez pour piquer vers le sol. Et le temps, mais à peine le temps, de me dire que j'allais me faire mal. Et puis l'instant d'après, je me suis vu par terre avec un tas de ferraille devant moi. Et ma première pensée à ce moment-là était de dire c'est vraiment très dommage parce que ma voiture marchait pratiquement à la perfection. Et pour la séance d'essai de cet après-midi, et puis pour la course demain surtout, je vais certainement être obligé d'utiliser ma voiture de réserve, mon mulet. Et c'est dommage, un accident aussi bête, c'est dommage de compromettre un tant soit peu les chances de victoire. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure que la douleur physique grandissait, je me suis aperçu que non seulement je ne pourrais pas faire la séance d'essai de l'après-midi, mais peut-être pas la course du lendemain. Je me suis aperçu de ça d'une manière très concrète,
lorsque, dans un geste qui est pratiquement machinal, j'ai voulu dégrafer mon casque. J'ai fait le geste de porter mes deux mains sur mon casque. Vous savez que les casques ont des pressions là, pour dégrafer les coquilles. Et je sentais bien mon casque sur la main droite, mais pas du tout sur ma main gauche. Et à ce moment-là, j'ai baissé ma tête et j'ai vu dans le fond de la coque ma main gauche. Et je me suis aperçu à ce moment-là que mon bras était cassé et que, effectivement, j'aurais très peu de chance de faire la course le lendemain. Et à partir de là, bon, ça a été... mon inquiétude n'a fait qu'augmenter et puis bon, j'ai réalisé petit à petit que c'était beaucoup plus grave que je l'avais pensé dans les premières secondes après l'accident. Et puis ensuite, il y a eu des moments de plus en plus difficiles, évidemment, parce qu'il a été question de m'amputer dans la voiture. Ensuite, au fur et à mesure que l'horizon s'éclaircissait dans mes yeux, parce que j'avais la vue un peu brouillée tout de suite après le choc, j'ai vu les os de ma jambe droite, après ceux de ma jambe gauche à l'air. J'ai réalisé que c'était les miens, parce que tout ça se fait très lentement. Et quand il a été question, quand j'ai entendu dire par les médecins anglais autour de moi qu'on allait m'amputer, j'ai eu un instinct de conservation qui m'a fait dire non, ne me coupez pas la jambe, essayez encore de me sortir de la voiture, parce que le problème était d'essayer de me libérer de la carcasse de la voiture. Et ensuite, ça... Bon, à l'hôpital, on m'a fait les piqûres qu'il fallait pour contre la douleur et puis pour me calmer. Voici donc la radiographie de la jambe droite de Didier, prise immédiatement après l'accident. Même pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste en orthopédie ou en traumatologie, je crois que la fracture est assez évidente. Ce que l'on peut remarquer, c'est que le squelette de l'arrière-pied, l'astragale, le calcanéum, est intact. Par contre, les 15 derniers centimètres, les deux os de la jambe sont plurifracturés. Vous voyez, ce fragment ici était complètement en dehors de sa place habituelle et avait perdu toutes ses connexions vasculaires et donc toute sa nutrition. Le péroné lui-même était fracturé en plusieurs fragments et tout ceci, tous ces fragments tibiaux-là, avaient plus ou moins perdu de leur connexion vitale. Voilà maintenant les radiographies qui font suite à l'acte chirurgical d'urgence réalisé par les chirurgiens de l'hôpital d'Heidelberg. Je vous rappelle, et beaucoup d'entre vous le savent, que Didier, en plus de ses lésions squelettiques, avait une lésion des artères de la jambe droite dont lui a été réparée en urgence. Et pour bien réaliser cette réparation artérielle, les chirurgiens allemands avaient dû réaliser un montage par un fixateur externe. Vous apercevez ici les deux fiches qui traversent le tibia en haut, l'astragale et le calcanéum en bas. Et grâce à ce montage, ils ont pu avoir les possibilités de réparer les artères. Et ensuite, ils ont aligné le squelette tibial avec cette grande plaque. Les inconvénients de ce montage, qui a été réalisé, je le répète, dans l'atmosphère d'urgence, sont que les deux fiches, ici, traversent l'une l'astragale, l'autre le calcanéum. Et que si on est obligé de laisser en place ces fiches pendant plusieurs mois, la fonction de l'arrière-pied, c'est-à-dire de l'articulation sous-astragalienne, celle qui autorise la bascule du calcanéum, de l'os du talon, eh bien, devient impossible. Et pour un pilote de Formule 1, car dès le début, tel a été notre but, de remettre Didier dans une voiture de Formule 1, si on lui condamne l'articulation de l'arrière-pied, il n'est plus possible de conduire une Formule 1. Alors, pour pallier aux inconvénients du montage précédent dont je venais de parler, voici ce que j'ai pu réaliser dans une période secondaire, c'est-à-dire un peu plus de deux semaines après l'accident. Le péroné a été réaligné et les deux fractures du péroné montées par des petites plaques. Le tibia lui-même a été maintenu toujours par un fixateur externe, mais toutes les fiches du fixateur externe que vous voyez là, et en particulier les plus basses, sont au-dessus de l'articulation tibio-tarsienne dont on voit ici l'interligne. Et ainsi, l'arrière-pied a été libéré et Didier a pu rééduquer l'arrière-pied presque immédiatement après cette intervention. Même après ce montage, ce qui frappe, c'est qu'à la partie moyenne de la jambe, il y a une grosse perte de substance osseuse. Et c'est cette perte de substance osseuse qu'il nous faudra reconstruire qui a posé tous les problèmes que Didier a connus. Parce que, en plus des dégâts osseux, il y avait des dégâts cutanés, tout ceci était ouvert et
il y avait une infection pas très puissante, mais qui a persisté un certain temps et qui nous a valu la désagréable surprise de devoir deux greffes dans cette région, en partie absorbées, digérées par les micro-organismes. Et ce n'est que lorsque la couverture cutanée a été complète que nous avons pu réaliser la dernière greffe. Voilà maintenant l'état actuel du squelette de la jambe de Didier. Si vous vous rappelez les radios précédentes, dans toute cette zone où nous avions une grosse perte de substance osseuse, eh bien les dernières greffes que nous avons pratiquées ont rempli le rôle et maintenant Didier a un squelette continu depuis la tibia tarsienne jusqu'au haut de la jambe. Et le péroné qui a été soudé au tibia dans un stade chirurgical précédent, eh bien tout ceci constitue un squelette qui est parfaitement solide et permet à Didier autorise Didier à le soumettre à des efforts dont il est seul juge. Vous savez ce qui s'est passé le 7 août 82 pour moi, c'est ce qu'on appelle un accident. C'est un accident qui fait partie des risques de mon métier et que j'ai complètement accepté en tant que tel. Et pour lequel, en plus, je crois pouvoir dire, j'étais complètement préparé. J'étais complètement préparé parce que je l'avais vécu déjà à travers des amis, à travers Gilles Villeneuve, à travers Patrick Depailler, à travers Jean-Pierre Jabouille, à travers Paletti, à travers beaucoup d'autres, à travers Clara Gazzoni. Et je n'ai jamais, depuis fort longtemps, étant dans ce métier, pensé que l'accident ne pouvait pas m'arriver à moi un jour. Donc j'étais tout à fait, absolument préparé à cet accident. Et le jour où il m'est arrivé, je n'ai eu aucune aigreur, aucune agressivité vis-à-vis de qui que ce soit, ni vis-à-vis de mon métier, ni rien. Pour moi, il m'est arrivé ce jour-là un accident de course, comme il en est arrivé à très nombreux autres pilotes, et comme il en arrivera encore, malheureusement. J'ai vu la longueur du combat. Je me suis probablement un peu trompé sur la longueur, mais enfin, il y a d'autres problèmes qui sont intervenus entre-temps, mais je n'avais pas prévu les 4 ans que cela a nécessité. Mais entre-temps, Didier a su s'occuper et nous avons éloigné les temps opératoires. Ce qui nous a compliqué la situation, c'est que dans toutes ces lésions ouvertes et largement ouvertes, avec perte de substances cutanées, souillées par la terre et des circuits, eh bien, il y avait au niveau de la jambe droite une infection que nous avons mis du temps à juguler. Et c'est ce qui a prolongé la durée du traitement et qui a fait que une séance de greffe, et même deux séances de greffe osseuses, n'ont pas été suivies, les deux premières, n'ont pas été suivies de plein succès. 3 ans dans un endroit comme ça, c'est pas ce qui est le plus marquant. Ce qui est le plus marquant, c'est effectivement de se retrouver du jour au lendemain dans un état physique ou moral, d'ailleurs, je crois que ça doit être tout à fait comparable comme expérience. Qui d'un seul coup nous fait voir les choses de la vie d'une manière complètement différente et nous fait surtout toucher du doigt la valeur de la santé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la valeur des choses en général, la valeur de pouvoir se déplacer, de l'appui sur les jambes, de pouvoir tenir debout, de choses tout à fait primordiales dans la vie. Et c'est comme tout, je veux dire, que ce soit la santé, l'amitié, l'amour ou n'importe quoi, le jour, ce jour où on en manque, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose d'important et de grand. L'expérience que je tire de mon accident, c'est un petit peu ça. J'ai appris à quoi servait une paire de jambes et j'ai appris que la santé, finalement, c'est quelque chose qui est très très important, certainement le plus important dans la vie. La souffrance physique, j'ai souffert, je peux dire physiquement, mais ça s'oublie immédiatement. Et on peut souffrir aux limites de ce qui est possible, ça s'oublie. C'est-à-dire, il n'en reste rien. Moi aujourd'hui, les souffrances, et j'en ai encore de temps en temps, physiques,
ça me pose vraiment absolument aucun problème et j'ai pas du tout d'appréhension quand je dois aller me refaire opérer ou qu'on doit je vais faire des choses qui, je sais d'avance, vont me faire souffrir. J'ai absolument aucune appréhension parce que c'est passager, parce que ça pose pas de problème. Je veux dire, ça s'oublie. Mais psychologiquement, c'est différent parce que les problèmes psychologiques sont des problèmes. Les souffrances psychologiques restent. Ah ouais. C'est une bonne béquille. Là, ils étaient placés exprès pour le film, mais je suis sûr que celui-là, je peux le faire aussi. Je ne suis pas du tout superstitieux et la mort pour moi c'est la fin de la vie, ni plus ni moins. C'est irréversiblement la conclusion de tout être humain, de toute vie d'ailleurs, qu'elle soit végétale, animale ou humaine ou quoi que ce soit d'autre. Pour moi, non, je crois pas du tout au destin. Je pense que si on veut se donner la mort là maintenant tout de suite, on peut très bien le faire sans que pour autant le destin ait une influence quelconque là-dedans. Si on veut vivre prudemment, on y arrive. Si on veut vivre sainement, on y arrive aussi. Et je crois que tout ça contribue à prolonger plus ou moins la vie. Mais non, j'ai pas vraiment de... J'ai pas de grandes craintes face à la mort. J'ai une grande appréhension parce que j'aime beaucoup la vie et que tout ce qui pourrait m'enlever les plaisirs de la vie, j'essaye de l'éviter. Donc en particulier la mort, mais la mort en tant que telle ne m'effraie pas. Je veux dire, ça ne doit pas être un moment très, très difficile à passer. Les moments les plus difficiles sont ceux qu'on vit. Vous n'êtes pas fataliste du tout ? Non. D'aucune manière. Je ne suis fataliste d'aucune manière. On y pense quand on rentre dans une voiture, quand on s'installe au bord d'une voiture? Non, en général, on ne pense pas à la mort lorsqu'on s'installe au volant d'une voiture. On peut y penser quelquefois rétrospectivement ou avant, bien avant, mais je veux dire, quand on rentre dans une auto de course, donc quand on va affronter un certain nombre de risques, on pense d'abord à aller le plus vite possible et aux problèmes techniques du moment. J'ai eu, malheureusement, à plusieurs reprises, l'occasion de connaître la mort à travers des proches, à travers des amis, à travers ma famille. Et je crois que ça sont les moments les plus difficiles qu'on peut passer dans une vie parce que on mesure dans ces moments-là la légèreté de tout ce qui est le reste, je veux dire, de tout ce qui n'est pas la vie. Et dans la plupart des cas dans lesquels je les ai vécus, moi, c'est tellement surprenant et tellement soudain que vraiment ce sont des moments inoubliables, je veux dire. Et je crois que la mort, je l'ai vécue à travers d'autres gens d'une manière beaucoup plus difficile que je pourrais vivre la mienne, forcément, puisque la mienne, ça sera a priori pas un problème pour moi. Didier Pironi, ces années de repos forcé qui viennent de s'écouler, en dehors des impératifs médicaux qui vous ont cloué au lit et au repos, comment les avez-vous vécues au sens du quotidien ? Je les ai vécues de manière très diverse depuis le premier jour après mon accident à maintenant. Très diverse et physiquement et psychologiquement, puisque mon état s'est heureusement largement amélioré. J'arrive à mener aujourd'hui une vie pratiquement normale, enfin en tout cas normale par rapport à ce qu'elle était avant, par rapport à ce que ma vie était avant. Donc physiquement, ça a évolué depuis l'immobilité complète dans un lit à
à une vie normale aujourd'hui. Ça a évolué très lentement, on peut dire, parce que bon, j'ai vécu tous les stades possibles qu'un être humain peut vivre physiquement, c'est-à-dire je suis passé de l'immobilité complète dans un lit à la chaise roulante pendant de longs mois, après deux béquilles, donc une mobilité très restreinte. Et puis après, l'évolution a voulu que bon, je me déplace à peu près normalement. Et psychologiquement, c'est ce qui est le plus important, parce que c'est ce qui laisse le plus de séquelles, c'est en tout cas ce qui pose le plus de problèmes, parce que tous les problèmes physiques peuvent se résoudre d'une manière ou d'une autre. Psychologiquement, ça a été très dur pour moi après les premiers jours, après mon accident, très dur parce qu'il y avait un doute. Je ne connaissais pas du tout ce qu'allait être la suite des événements. Et quand le doute concerne l'amputation possible, c'est toujours très difficile psychologiquement, et je crois pour des sportifs particulièrement, parce qu'il est bien évident qu'on fait un usage de notre corps qui est beaucoup plus intense que peut le faire une personne qui travaille tous les jours derrière un bureau et qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Je veux dire, on attache une importance beaucoup plus importante au corps, et je crois que je fais partie des gens qui se sont servis et qui serviront encore de leur corps d'une manière très intense. Voilà, oui, c'est bon. Ah. Le 28 août 1986, Didier Pironi atteignait son but, remonté dans une Formule 1. Guy Ligier et Gérard Larousse mettaient à sa disposition une Formule 1 pour des essais privés. Des essais permettant à Didier de tester sa condition physique et morale après 4 ans d'arrêt, loin des circuits automobiles. En principe, pas trop. Là, elle devrait pas se rallonger plus avec ses frontières. Là. C'est quoi le vers moi, là ? Là ? Tu prends 1000 sur la semaine, là. Embrayage, c'est bien ? Je peux bloquer contre écho et je te mets les outils. À la fin de cette première séance d'essai, quelles sont vos conclusions ? Ben, mes conclusions, elles sont complètement conformes à ce que je pensais avant de venir. Et s'il y a une tendance, c'est qu'elles sont un petit peu plus positives que ce que je pensais avant d'attaquer cette séance d'essai. Ça veut dire que personnellement, physiquement, je ne pense pas avoir de handicap, aucun. Psychologiquement, je suis dans un état d'esprit tout à fait agressif et qui se rapporte un petit peu à l'état d'esprit que j'avais quand j'ai commencé à faire de la Formule Renault. Ça veut dire que j'ai une très grande motivation, j'ai absolument pas la lassitude de ce métier, et pour cause, ça fait 4 ans que j'y suis pas. Et malgré tout, j'ai quand même l'expérience derrière moi. Donc je crois que ma conclusion de cette séance d'essai, en dehors du fait que j'ai de la préparation à faire, physique, musculaire, etc., je le savais, est tout à fait positive. Psychologiquement, il n'y a aucune... cette cassure de 4 ans ne vous pose aucun problème particulier ? Ben, si, elle me pose un problème, celui de me raisonner à ne pas attaquer trop, parce que j'aurais envie d'aller beaucoup plus vite que je ne vais,
Et en fait, je dois me raisonner parce que bon, Ligier a eu l'extrême générosité de me faire tourner dans cette voiture. C'est quelque chose de très appréciable, qui coûte très cher. Je crois que je l'apprécie à sa juste valeur. Et je veux dire, moi, je ne veux pas aller à la limite tout de suite, donc j'ai envie de le faire, mais je me raisonne pour ne pas le faire. Voilà le problème que ça me pose. Quand on écoutait les gens discuter pendant ces deux jours autour de vous et de votre voiture, tout le monde disait Didier est complètement capable de reprendre une Formule 1 dans un Grand Prix. Et maintenant, la décision, elle lui appartient complètement. Il la prendra certainement après. C'est quelque chose qui va mûrir encore ou elle serait prise aujourd'hui? La décision n'est pas prise dans la mesure où ce qui conditionne cette décision, c'est pas mes aptitudes physiques ou psychologiques, ça, je sais à quoi m'en tenir. C'est les opportunités que j'aurai d'être incorporé dans une écurie de pointe avec des chances d'être champion du monde. Si ce n'est pas le cas, je pense que je ne courrai pas. Je crois que j'ai fait la preuve aujourd'hui que je suis capable de conduire au niveau auquel j'étais il y a 4 ans. Maintenant, je veux dire, il faut que les conditions de l'autre côté soient bonnes aussi, sinon il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie que faire de la Formule 1 en tant que figurant, ça ne m'intéresse pas une seconde. Didier Pironi ne reprendra pas la compétition en Formule 1. Aucun des contrats qu'on lui propose pour courir la saison 87 ne lui donne satisfaction pour atteindre son objectif. Sa carrière professionnelle ne s'arrêtera pas là pour autant. Sa recherche de la perfection technique l'avait conduit depuis plusieurs années, et le grand public ne le savait pas, à se passionner pour le motonautisme à Saint-Tropez. Activité qui, dès 86, va le ramener dans le monde de la course. Les affaires dont je m'occupe aujourd'hui, donc principalement cette affaire de bateau, principalement en emploi du temps, parce que dans le bateau, enfin dans ce genre de bateau particulièrement, il y a une technicité assez évoluée. Bêtes de course et compétition aussi, parce que ce sont principalement des bateaux de course, et que de toute façon, dans mes projets, j'ai l'intention de monter une écurie de course de bateaux offshore pour faire le championnat du monde. Donc c'est sûr que c'est toujours le même état d'esprit, hein, c'est toujours la même approche sportive, compétition et technicité de pointe, etc., etc. Après une année d'essai, Didier Pironi, qui a retrouvé ses amis Guénard et Giroud, crée la première et l'une des rares écuries offshore françaises. Une équipe, un bateau, Colibri. Un bateau déjà révolutionnaire dans le monde de l'offshore, un milieu jusque-là dominé outre-Atlantique par les Américains et en Europe par les squadras italiennes. Deux moteurs, 1700 chevaux, 170 km/h en vitesse de pointe, une coque en fibre de carbone, autant d'éléments qui lui rappellent la Formule 1. Le début de saison s'avère difficile pour l'équipe Pironi. La surpuissance des moteurs sera à l'origine de nombreuses défaillances mécaniques, contraignant Colibri et son équipage à une série d'abandons. Recherche, mise au point, rigueur, ténacité. 5 mois plus tard, Didier Pironi signe sa première victoire dans le championnat d'Europe. C'est le 16 août dernier à Arendal, au Grand Prix de Norvège. L'espoir renaît, toujours à plus de 150 à l'heure. L'offshore, un sport risqué, certainement. Et Didier Pironi, qui durant toute sa carrière s'est battu pour la sécurité des pilotes, n'a jamais sous-estimé les dangers qu'il courait. D'autant plus dangereux qu'il n'était pas jusqu'à maintenant, en tout cas, le fait uniquement de professionnels, à savoir que des artisans pouvaient, et peuvent encore d'ailleurs, construire des bateaux ou s'acheter des bateaux qui ne sont à la base pas du tout faits pour ce genre d'exercice,
et se présenter au départ de course très difficile au point de vue état de la mer et au point de vue vitesse, au point de vue niveau général. Et en général, c'est ce qui engendre le plus d'accidents. En fait, le plus dangereux dans le offshore, c'est l'incompétence et le peu d'aptitude qu'ont certains équipages à affronter les éléments, parce que la mer est un élément avec lequel il ne faut pas jouer et qui doit être réservé vraiment à des gens qui font ça d'une façon, disons, suivie, professionnelle et sérieuse. Enfin, je veux dire, réservé certainement pas, mais en tout cas en course, pour gagner, ça ne doit être le fait que des plus professionnels. À 35 ans et en 15 ans de carrière, Didier Pironi a tout connu. Succès, honneur, estime et argent. Non sans courage. La preuve, son ambition ne s'arrête pas là. Le titre mondial qui se dispute chaque année aux États-Unis est l'objectif de son équipe pour les années à venir. C'est là son besoin constant d'aller au bout de lui-même, de toucher les frontières de l'impossible. J'aime le plus, évidemment, la vie, c'est la chose à laquelle je tiens le plus, parce que c'est ce qui donne tout le reste. C'est de là que tout part, donc je veux dire, ne pas aimer la vie, c'est une folie.